monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors aujourd'hui, je reviens avec cette vidéo car j'aimerais vous conseiller un certain type de lingerie de luxe que vous pouvez acheter pour séduire votre homme alpha ou votre homme pourvoyeur, ou tout simplement pour vous faire plaisir à vous-même, ou pour avoir une ou deux marques de luxe, hein, de lingerie sous la main si jamais vous voulez conseiller quelqu'un. Après, je vais être réaliste, il y a énormément de marques de luxe au niveau de la lingerie et de marques ne serait-ce qu'au niveau de la lingerie. Sentez-vous libre de faire comme bon vous semble, mais moi je vous partage, alors je vous rassure, moi je n'achète pas toujours ça, mais je vous partage ce que je sais parce que vous visez quand même un certain type d'homme et de milieu. Donc c'est toujours bien de les savoir. Alors vous vous demandez certainement comment moi je les connais. Ben ça c'est assez drôle, c'est que il y a quelques années, quand je venais d'arriver en Suisse, hein, comme ça fait 10 ans que je suis là, c'est peut-être maintenant 9 ans ou quelque chose comme ça, 8 ans, j'avais rencontré une amie russe dans une... Je faisais une formation de marketing et j'avais rencontré une amie russe. Et elle, en fait, elle n'était pas mariée avec un homme alpha ou pourvoyeur. Par contre, elle était dans le milieu, parce qu'en fait, en Suisse, hein, dans le Lark Lémanique, il y a énormément de Russes, d'oligarches. Bon, vous le savez, hein, la Suisse, ben, il y a beaucoup de riches qui sont là, beaucoup d'étrangers riches aussi qui viennent ici parce que bon, il y avait le secret bancaire. Bon, il y est toujours, mais bon, ça a un peu changé et autres. Et du coup, elle côtoyait beaucoup de Russes riches, notamment des oligarches. Et du coup, elle avait accès à leur milieu, à leur maison, elle partageait du temps avec leurs femmes. Et les femmes lui donnaient toujours plein de... Ben, elle voyait ce qui se passait très souvent. Et du coup, elle me racontait. Et du coup, elle m'a expliqué que les femmes russes aimaient beaucoup, c'est pas les seules, hein, il y a aussi beaucoup de femmes suisses, acheter une marque de lingerie Wolfor. Et alors, je vais être honnête avec vous, c'est pas abordable. Bon, moi, je trouve que pour de la lingerie, c'est vrai que c'est pas excessivement cher, mais il y a quand même beaucoup plus abordable. Mais ça reste quand même très sexy et très chic et très classe. Et du coup, elle m'a parlé de cette marque. Elle m'a conseillé ça. Elle m'a dit, si tu veux acheter de la marque, enfin de la lingerie de luxe, tu peux acheter ça. Et c'est vrai que c'est très classe, très joli, très sexy. Alors oui, effectivement, ce sont des mannequins qui sont magnifiques, hein, on peut très vite être frustré par la situation, mais après, comme on vous l'a déjà dit, il faut aussi un peu travailler sur votre... comment dirais-je, la gestion de votre poids, votre féminité, votre physique, hein. Pas que parce qu'il faut être magnifique pour séduire, mais c'est aussi une question de santé, tout simplement. Il faut être réaliste, hein, les personnes en obésité ont beaucoup de problèmes cardiovasculaires, beaucoup de maladies, etc. Donc, de toute façon, vous perdez rien. Après, bon, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je dis ça en passant. Donc, du coup, elle m'a conseillé cette marque-là, Wolfor, qui est une marque très sexy, très chic, très glamour, très classe. Et elle m'a dit, ben voilà, si je veux acheter de la lingerie de luxe, ils font aussi du prêt-à-porter, ils font tout un tas de choses. Eh bien, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Hein. Et c'est ce qu'elle m'a conseillé. Vous voyez cette femme qui est, par exemple, dark skin, elle est juste sublime. Elle est magnifique. Ouais, super. Donc, voilà, moi... c'est ce que je peux vous conseiller. Et comme vous le savez, les Russes sur le marché des alphas et des pourvoyeurs, leur réputation n'est plus à faire. Donc du coup, j'ai retenu le conseil et effectivement, c'est sympa. Ce n'est pas la seule. Hein. Après, c'est une question de goût. C'est une question de goût aussi. Hein. Mais ça vaut la peine quand même de la connaître. Voilà, Wolfor. Très sympa. Mais elle m'a aussi conseillé une deuxième marque, et c'est Agent Provocateur. Et la bonne nouvelle, hein, bon, bonne nouvelle pour moi, c'est qu'il y a une sublime femme dark skin qui fait leur collection du moment, leur nouvelle collection. Et vous voyez, c'est juste magnifique. C'est vraiment superbe, quoi.
Et puis là, vous voyez, hein, en plus, hein, il y a une femme, elle n'est pas forcément slim, mais elle est aussi magnifique. Après, ouais, vous voyez, il y a des hommes alpha pourvoyeurs qui vont privilégier des femmes très slim, mais après, il y en a certains, et bah, pas forcément. Comme je vous l'ai dit, si vous avez d'autres qualités, ça peut aussi faire la différence. Tout est une question de l'éducation que vous avez reçue, de ce que vous investissez en vous-même, comment vous vous vendez aussi. Mais c'est juste magnifique, vous voyez. C'est sublime. C'est extrêmement sexy, c'est très classe, très glamour. Et les prix sont, selon ce que vous recherchez, sont plus ou moins élevés ou pas. Mais c'est tout juste magnifique. Vous voyez? Moi, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Maintenant, vous voulez peut-être savoir si elle a trouvé son homme pourvoyeur ou alpha. Eh ben, pour être honnête avec vous, à l'époque où moi je l'ai connue, elle avait déjà atteint 36 ans et elle était déjà dans ce milieu. Elle était rentrée grâce à sa mère depuis l'âge de 20 ans. Parce qu'en fait, elle faisait l'interprète franco-russe, éventuellement anglais, oui. Et. Aussi un peu du Swiss-Dutch, là, de l'allemand. Enfin, du Swiss-Dutch, excusez-moi, c'est pas de l'allemand, mais c'est un peu pour que vous compreniez le truc. Et pourquoi à l'époque, elle avait déjà dépassé 35 ans, mais elle n'avait pas trouvé son pourvoyeur, mais parce qu'elle avait tellement eu de choix, et elle avait tellement joué, que, ben, voilà, à un moment donné, voilà, les oligarches russes, c'est pas qu'ils aiment tous les femmes jeunes, mais souvent, quand leurs femmes atteignent un certain âge, ils aiment bien la remplacer pour une version un peu plus jeune et fraîche. Donc, eh ben, elle avait grillé toutes ces années comme ça. Parce qu'elle avait tellement eu de choix et d'opportunités, elle a tellement profité, honnêtement, qu'elle n'a pas du tout pensé ou on ne l'a pas conseillé qu'un jour, ben, elle va vieillir et elle ne sera plus, en tout cas dans le milieu où elle évoluait, intéressante, quoi. Et ce n'était pas facile pour elle, je préfère être honnête avec vous. Donc, voilà. Vous voyez, il y a des femmes dark skin qui sont là et elles sont juste sublimes et magnifiques, quoi. Donc vous voyez, vous avez toutes vos chances. Voilà. Il y a cette marque-là, donc Agent Provocateur. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et puis moi, j'en ai découvert une qui s'appelle Livy, que je trouve très jolie, très mignonne aussi. Très sexy, c'est aussi une marque de luxe. Moi, je l'ai trouvé très sympa. Donc, vous pouvez aussi essayer celle-là. Alors, j'ai trouvé très sympa. J'avais trouvé très audacieuse comme marque. Donc, je l'ai retenue. Il me semble que c'est une marque française, mais je ne suis pas sûre. Mais elle est très sympa, très jolie, très sexy. J'ai beaucoup aimé. Voilà. C'était tout. C'était pas une très longue vidéo. C'était vraiment pour donner quelques petits conseils. Si vous n'avez pas quoi trop acheter, vous ne voulez pas acheter des marques d'entrée de gamme ou de moyenne gamme, mais vous voulez quand même quelque chose de luxueux, de très joli. Et puis voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. En espérant qu'en portant ces sous-vêtements, ben, vous atteignez votre objectif. Ciao, ciao!